je suis très, très impressionnée. Non pas que Charles Julliez soit quelqu'un d'impressionnant. Je veux dire qu'il ne joue pas les vedettes, pas du tout. Mais on est quand même impressionné quand on s'est plongé, comme j'ai tenté de le faire, dans son œuvre. Parce qu'on découvre un itinéraire exceptionnel, du silence aux mots, d'une enfance pauvre, souvent loin de l'école, à plusieurs prix littéraires, dont le prix Goncourt de la poésie en 2013, d'une enfance fracassée à l'apaisement. Et Apaisement est le titre de son dernier très beau livre. Mais c'est en même temps un mot qui domine dans ses dernières publications, puisque c'est le titre de la dernière section de Moisson, ce choix de texte qu'il a publié il y a 2 ans. C'est aussi dans le titre de ce recueil d'aphorismes emprunté à la sagesse mondiale, ces mots qui nourrissent et qui apaisent. Et quand on lit les textes de Charles Julliez, on s'aperçoit que cet apaisement n'était pas donné d'avance. Lire des textes de Charles Julliez, c'est entrer dans une expérience de mort et de renaissance, mais aussi dans une expérience de fraternité, de justesse et de rigueur, d'invitation à repenser notre rapport au monde et à nous-mêmes. Charles Julliez n'a jamais cherché à entrer en littérature ou à être en littérature. Il parle toujours d'une quête, d'un effort, d'un travail, d'une ascèse de l'écriture, mais aussi de quelque chose qui est donné, le poème, le texte. Et il me semble que par là, il est véritablement au cœur de la création. Et il me semble que ce qu'il nous dit, mais il va nous le dire bien mieux que ce que je dis, la poésie est la fine pointe d'un chemin que nous avons tous à parcourir, c'est-à-dire aller au plus profond de soi pour aller vers l'autre. Charles Julliez a souvent parlé de lui et de son œuvre. Aujourd'hui, il va le faire en direct. Très librement, il va parler de son itinéraire en lisant des extraits de ses textes. Je lui poserai quelques questions. Et puis, vous entamerez le dialogue avec lui. Merci, merci Charles, merci d'être là. Merci. Alors, je ne sais pas si ça marche. Ça marche, je vais vous inquiéter pas. Ben oui, pour me présenter à vous, je peux lire un ou deux textes. Et voilà. Donc, je vous d'abord un poème qui m'avait été demandé par le Printemps des Poètes. Vous savez que c'est une structure qui est organisée par Jean-Pierre Simion et qui, chaque printemps, eh bien, organise des manifestations sur la poésie. Et là, il demande parfois à d'autres écrivains d'écrire un texte sur un sujet donné. Et là, il nous avait demandé d'écrire sur l'enfance. Donc, j'avais écrit ce petit texte qui est un peu un résumé de mon enfance. Le chagrin fou de l'enfance, ses émotions le débordent, le mettent en charpie. Il se défie des adultes et se mure dans le silence. L'ennui des heures interminables quand il garde ses vaches, assiste aux messes du petit matin dans l'église ténébreuse. Chaque soir, il est terrorisé quand il descend dans l'entre-noir pour y chercher du vin. La joie qu'il éprouve un matin de Noël, à voir une orange glisser dans sa galoche. Cette stupeur qui le saisit quand celle qu'il croyait être sa mère lui apprend que sa mère vient de mourir. Puis à 12 ans, loin de la mère au grand cœur, il se retrouve dans une caserne où il va rester 8 ans, et ce fut sa chance. Les brûlures, le chagrin fou d'une enfance disloquée. Oui, dans ce poème, je parle évidemment, enfin je fais allusion à mon enfance paysanne,
Après quoi, j'étais parti dans une école militaire, une école d'enfants de troupes, où je suis resté 8 ans. Il y a eu là de bonnes années, d'autres moins bonnes. Il y a eu des bons moments, des mauvais moments parfois, mais je suis très reconnaissant à cette école de m'avoir admis, puisque j'ai pu faire des études grâce à elle. Et là, j'ai encore un petit texte devant moi que j'avais écrit après la mort d'un de mes copains, parce que il y avait là-bas entre nous une grande fraternité, une grande solidarité, et ça avait été important pour moi. Donc je vous lis encore ce texte. Enfin, je sais pas. Aujourd'hui encore, comme bien souvent par le passé, je pense à vous. À vous qui, pendant ces années décisives, avez été mes copains, mes amis et pour certains, quasiment mes frères. De l'enfance à l'entrée de l'âge adulte, nous avons vécu ensemble pendant 8 ans. 8 ans au cours desquels nous avons mis en commun, échangé, partagé tout ce qui pouvait l'être. Les colis, les lettres reçues, le peu d'argent que nous possédions, les bons et les moins bons moments. Instants précieux, inoubliables, quand rien ne nous sépare d'autrui, quand nous vivons à l'unisson, quand ceux qui se portent amitié semblent n'avoir qu'un seul cœur et une même pensée. Grâce à vous, les dernières années que j'ai passées à l'école furent peut-être les plus belles de ma vie, parce que cette fraternité qui s'était tissée entre nous était pour moi une nourriture affective de la plus haute importance. Mais alors je ne le savais pas. Je ne savais pas que j'avais tant d'amis chers. Je n'avais pas conscience de ce dont je jouissais. Ce n'est qu'après le grand départ qui nous a dispersés que j'ai mesuré tout ce que vous m'avez donné, combien fort avaient été les liens qui venaient de se rompre, car nous n'allions plus nous revoir ou qu'occasionnellement. J'étais soudain seul, et avec quelle déchirante nostalgie je pensais à vous. J'ai été long à faire le deuil de cette fraternité perdue. Oui, donc pour un peu résumer les choses, l'écriture a commencé pour moi quand j'avais 23 ans. Déjà à l'adolescence, je rêvais un peu de devenir un écrivain sans bien savoir ce que c'était. Enfin, bien sûr, je savais, mais je ne savais pas trop en même temps. Donc, j'ai refoulé ce désir, ces rêves d'adolescent pendant longtemps. Et puis, à l'âge de 23 ans, eh bien, ce désir d'écrire, ce besoin d'écrire s'est emparé de moi, mais d'une manière irrépressible. Et alors, eh bien, j'ai décidé de me faire réformer parce que j'étais à l'école du service de santé militaire, d'abandonner mes médecines, des études de médecine, et puis après, bien, voilà, d'essayer de commencer à écrire. Or, très vite, il s'est révélé que j'étais incapable d'écrire et que je ne savais strictement rien de l'écriture, de ce dans quoi je m'engageais. Bien évidemment, j'étais d'une immense ignorance, parce que je n'avais strictement aucune culture, et que bien sûr, on ne peut pas envisager de devenir un écrivain si on n'a pas une solide culture. Donc pendant des années et des années, je pourrais presque dire, je n'ai fait que lire. Je ne pouvais pas écrire parce que j'étais dans une trop grande confusion, que mes moyens d'expression était nul, donc il ne pouvait pas être à la mesure de ce que je voulais faire. Et puis, comme j'étais jeune, bien sûr, j'étais impatient. J'aurais voulu d'emblée produire des textes. Et puis, je m'apercevais que peut-être j'avais un peu un trop grand désir, enfin, de bien faire. Donc tout cela réuni faisait que je ne pouvais pas écrire. Parce qu'il s'est révélé que ce que j'avais à déchiffrer était absolument impénétrable. Et ce que j'avais à déchiffrer, eh bien, en fait, je l'ai découvert très
très très lentement, et c'était ce qui résidait dans mon fort intérieur, c'est-à-dire j'avais à creuser dans ma mémoire, dans mon inconscient, pour essayer de me connaître, et non seulement de me connaître, mais de me transformer, c'est-à-dire devenir moi-même, c'est-à-dire cet inconnu que forcément je ne connaissais pas, mais que j'avais à découvrir, que j'avais à tirer à la conscience. Donc, pendant à peu près une vingtaine d'années, j'ai travaillé comme cela, dans une grande solitude, dans une grande concentration qui m'était imposée, et puis bien sûr dans une grande difficulté intérieure, parce que je ne savais pas bien où tout ça allait me mener. Donc il a fallu que de longues années passent pour que je prenne vraiment conscience de ce que je cherchais à travers l'écriture. Donc pour moi, l'écriture a été un moyen d'intervention sur moi-même pour me connaître. Ce désir de connaître est vraiment pour moi fondamental. Et je crois qu'il l'est aussi pour chacun de nous, parce que tous, nous avons à nous connaître, à savoir un peu comment on fonctionne dans la vie. Et puis bien sûr, j'ai été aussi marqué par mon enfance, comme tout le monde. On sait très bien que l'enfance est déterminante dans une vie. Donc, pour moi, j'ai été séparé de ma mère à l'âge de 1 mois. Et on sait maintenant que lorsqu'un bébé est séparé de sa mère dans les premiers mois de son existence, eh bien, il subit une fracture psychique extrêmement grave. Et lorsqu'il sera, ce bébé devenu un adulte, on sait maintenant que cet adulte est en principe destiné à avoir une vie particulière, puisqu'il est promis en gros à la délinquance grave, à la schizophrénie ou au suicide. Donc c'est un peu le destin qui m'était promis, sauf que dans la famille qui m'a accueilli et qui est devenue ma vraie famille, eh bien, là, j'ai reçu beaucoup d'affection, et donc cette affection a en partie corrigé les séquelles de cette fracture initiale. Mais c'est vrai que je précise tout cela parce que, bien sûr, c'est ce qui a déterminé, je crois, je l'ai compris bien après, c'est ce qui a dû déterminer, je pense, mon besoin d'écrire. Et il est vrai que dans mes textes, je suis souvent revenu un peu à ce problème, et puis au problème de la mère inconnue. Parce que donc, je n'ai jamais connu ma mère, et cette inconnue est morte à l'âge de 38 ans, elle est morte de faim, parce que peut-être le savez-vous, mais le régime de Vichy avait décidé de faire mourir de froid et de faim tous les patients qui se trouvaient dans les hôpitaux psychiatriques. Donc on sait maintenant, ça a été une tragédie qui a été longtemps occultée, mais on sait maintenant qu'il y a eu environ de 40 000 à 50 000 personnes qui sont mortes de froid et de faim dans les hôpitaux psychiatriques pendant la guerre. Donc je précise tout cela parce que, évidemment, bien sûr, tous ces événements ont eu pour moi une grande importance, et je crois que toute mon écriture, tout ce que j'ai pu écrire, découle à la fois de ce désir de connaissance et à la fois de ces données de mon enfance qui, bien sûr, ont eu une grande importance pour moi. Donc l'écriture m'a permis quand même de me détacher de cette enfance, parce que tant qu'on n'en prend pas conscience, je crois, on ne peut pas s'en libérer. Donc il y a eu en moi aussi ce grand désir d'arriver à une grande liberté d'être et de penser, et c'est-à-dire j'ai eu à m'affranchir de ce passé que bien sûr je ne connaissais pas, mais que j'ai découvert très progressivement. Voilà, c'est un peu une présentation rapide. Je voudrais revenir, merci pour ce que vous avez dit, et puis il y a d'autres textes que vous nous lirez au fur et à mesure de notre dialogue. Je voudrais revenir, vous n'avez pas cité le titre, à ce récit autobiographique « Lambeau » qu'en 1995, vous avez publié, absolument magnifique, essentiel, autour de ces deux figures de mère
que vous venez d'évoquer. Et dans un recueil sur lequel peut-être on viendra après, parce que je vous ai présenté comme poète, pour moi que vous écriviez en prose ou en vers, vous êtes poète. Et Lambeau est à la fois déchirant et d'une écriture extraordinaire. Lambeau, vous le trouvez en folio, c'est tout simplement bouleversant. Et dans L'œil se scrute, je me permets de lire quelques-uns de vos vers, vous disiez « Et bien que je ne dusse qu'à moi-même cette naissance qui avait exigé que je t'efface, te fasse mourir une seconde fois, j'étais à nouveau ton enfant. » Est-ce que vous pouvez nous parler de l'écriture de Lambeau? Pourquoi elle est venue assez tard? Et qu'est-ce que ça vous a permis? Et qu'est-ce que vous avez voulu faire dans ce diptyque? Oui, en fait, dans tout mon travail, je peux dire que je n'ai jamais rien décidé. Je me suis toujours laissé porter, guider, pousser par ce qui me venait ou qui ne me venait pas. Donc, pendant longtemps, je pensais n'écrire que des poèmes. Et puis, après un certain temps, oui, j'ai oublié de préciser que pendant ces longues années où je n'arrivais pas à écrire, eh bien, malgré tout, je prenais des notes. Et au début, je ne savais même pas bien ce que je faisais. Et ces notes se sont révélées être un journal. Et ces notes portaient toutes exclusivement sur ce qui se déroulait dans mon fort intérieur. J'avais à essayer de capter tout ce qui survenait en moi, toujours poussé par ce même besoin de connaissance. Donc pendant longtemps, je ne pensais pas écrire de la prose. Et puis, j'avais d'abord écrit un récit sur ma vie d'enfant de troupe. Et après, très tard dans mon parcours, eh bien, un soir, je me souviens, j'ai eu besoin de commencer un certain récit. Et c'était ce récit qui est devenu Lambeau, qui est constitué par deux parties. La première, elle porte sur ma mère inconnue, et la seconde sur ma mère adoptive. J'ai commencé ce récit, et après avoir écrit quelques pages, j'avais dû m'interrompre parce que, en fait, c'était trop douloureux. Donc j'avais rangé ces pages et je les ai totalement oubliées. Et 12 ans après, dans mon village, j'ai rencontré un vieux paysan dont j'étais l'ami. Et en parlant avec lui, j'ai découvert qu'il avait été ouvrier agricole dans le village où mes parents avaient vécu. Donc il avait connu ma mère, donc je lui ai posé des questions. Et ce qu'il m'a dit a réactivé mes émotions, mon désir d'écrire ce récit. Donc 12 ans après avoir commencé, j'ai repris ces pages, je les ai d'abord cherchées, je les avais perdues, je les ai cherchées, je les ai retrouvées et j'ai pu poursuivre. Ayant achevé la première partie qui donc portait sur cette mère inconnue, il m'a paru tout à coup qu'il fallait que je parle de cette autre mère qui était ma mère, je dirais, effective. Et donc là, en quelques secondes, j'ai décidé de poursuivre. Alors ces deux récits, enfin ces deux parties, j'ai employé le « tu » parce que en fait, je me suis aperçu que c'était une lettre à ma mère. Parce que lorsque j'étais adolescent, ne sachant rien d'elle, et d'une manière, je crois, inévitable, je me posais toutes sortes de questions sur ce qu'elle avait été, sur ce qui s'était passé pour elle. Et donc, j'avais eu ce désir de lui écrire une lettre, mais bien sûr, je ne l'ai pas écrite, sachant qu'elle était morte. Mais je suppose que ce désir de lui écrire a toujours subsisté en moi. Et en fait, Lambeau, c'est une lettre à ma mère, ce pourquoi je dis « tu » d'emblée dans ce récit. Vous avez donc écrit des... Vous avez parlé de votre journal. Je voudrais y revenir parce que c'est bien plus qu'un journal. En fait, vous l'avez dit, vous avez commencé à écrire très tôt, mais
cet tome de votre journal, puisque Apaisement est le 7e volume, ce n'est pas un journal intime à proprement parler. Je ne sais pas. Je dirais un journal... On a le droit d'utiliser ce mot, je crois, spirituel. C'est-à-dire, c'est vraiment votre itinéraire qui est dedans. Je voudrais simplement vous lire les titres des 7 volumes, parce que je crois que ça dit quelque chose de votre itinéraire. Mais ils n'ont été publiés qu'à partir de 1994, autrement dit, près de 40 ans après qu'ils aient été commencés. Le premier, Ténèbres en terre froide. Traversée de nuit. Lueur après la bourre. Accueil, au pluriel, accueil. L'autre fin, F-A-I-M. Lumière d'automne, au pluriel, et puis apaisement. Alors, j'avoue, je n'ai pas lu les 7, mais c'est extrêmement impressionnant et j'aimerais que vous nous disiez, Charles Julliez, comment vous écrivez ce journal, si vous l'écrivez encore, et qu'est-ce que ça a représenté pour vous et qu'est-ce que ça représente pour vous ? Eh bien, c'est vrai que j'écris ce journal depuis longtemps. Je dirais presque, j'en suis le premier étonné, parce que pour moi, ça n'est pas une contrainte, ça n'est pas une obligation que je me donne. Je n'écris là que ce qui me vient, que ce qui m'est donné, et donc je ne me force jamais. Mais je suppose quand même que, puisque je l'ai écrit, ce journal a dû répondre à un véritable besoin, et je pense donc que écrire, c'est aussi toujours mener un combat contre le temps et contre la mort. Donc voilà, je suis un peu astreint à écrire ces notes. Mais au début, je ne savais pas bien ce que je faisais, mais après, au fur et à mesure où je prenais mieux conscience de l'écriture et de l'écriture de ce journal, je crois que j'étais dans une grande défiance. Je savais que le risque, quand on écrit un journal, c'est d'être complaisant avec soi-même. Et donc, je crois que pour écrire un journal, il est nécessaire de n'avoir aucune image de soi, ni une image valorisante, ni une image péjorative. Il ne faut pas écrire pour vouloir se faire plaindre, se faire admirer, se faire détester peut-être. Il faut essayer d'être le plus neutre et le plus objectif possible. Et j'aimerais peut-être arriver maintenant à cette sorte de chose impossible, c'est que tout en parlant de moi, de ne jamais parler de moi. Voilà. Oui, je crois que c'est déjà ce que vous faites, mais je crois que dans les textes que vous aviez prévus, il y a un passage de journal. Vous pourriez nous le lire maintenant, s'il vous plaît ? Ça, c'est encore des poèmes. Mais vous, dans l'ordre que vous voulez, hein, je vous demande un passage de journal. Mais si c'est ce poème que vous voulez lire, vous lisez ça. Moi, ça me va. C'est un poème sur ces années-là où pour moi, il ne se passait pas grand-chose. Quand il repensait à ces années où il s'essayait à écrire, il avait l'impression qu'elle n'avait été qu'un interminable hiver. En chaque fin de semaine, une nécessité irrépressible contraignait à retourner dans son village pour passer quelques instants avec sa mère. Il ne savait pas qu'il ne s'était pas encore dépris de son enfance. Pourtant, il avait beaucoup changé, et ces lieux qui lui avaient été si chers ne lui donnaient plus la moindre émotion. Par sa seule présence, sa mère était source de réconfort et de courage. Lui, il ne parlait pas. Seuls ses yeux vivaient dans son visage de pierre. Après le repas, il montait au cimetière. Des deux côtés du chemin, à la pente sévère, se dressaient d'immenses châtaigniers. Frappés par la foudre, certains avaient brûlé. Les moignons noirs se découpaient sur un ciel de suie.
les troncs éclatés, évidés, calcinés. Comme eux, tout en gardant les traces de ce qu'il avait dévasté, il restait debout. Il se recueillait devant la tombe. Handicapée, cette sœur avait toujours été d'une santé fragile. Une grippe l'avait emportée. Elle était fine, délicate, intuitive. Il l'avait tendrement aimée sans avoir su le lui dire. Il raccompagnait la mère à la maison et il allait marcher. Il ne supportait pas de rester à ne rien faire, de n'être pas en mouvement. Bordé d'arbres et de haies, le chemin de terre serpentait à flanc de colline. Une fois la crête franchie, il s'enfonçait dans les bois. L'eau coulait dans les ornières. En bas de la pente, il s'asseyait sur l'un des gros troncs couchés le long du chemin et il demeurait là, transi, à broyer du noir. L'énorme silence, les arbres noirs dépouillés, pétrifiés par l'hiver. De toute évidence, la mort s'était emparée de la nature et il semblait que jamais la vie ne pourrait la réanimer. Un tel abîme séparait son quotidien de ce rêve qui ne le quittait pas. Dans sa tête, c'était l'habituelle effervescence. Les questions cent fois ressassées ne lui laissaient aucun répit, et elle l'épuisait. Son hyperconscience lui était une torture. Parfois, il ne pouvait plus maîtriser ce qui le taraudait, et il sentait qu'il était sur le point de perdre pied. Deux ou trois heures se passaient à fixer le vide. Le froid humide le pénétrait jusqu'aux os. Il rentrait à la nuit tombante sous un crachin qui lui glaçait le visage. Il embrassait sa mère, s'enfonçait dans la nuit, reprenait le car, le train, marchait sans but dans les rues de la ville à cette heure déserte. Le lendemain, le creusement allait se poursuivre, le tête-à-tête recommençait. Les mots ne convenaient pas, étaient aussitôt raturés. Rien ne pouvait s'écrire. Comment les autres faisaient-ils pour se supporter, pour supporter la vie? Et il y en a un autre aussi là, qui a pour titre « Le lait de ta mélancolie ». Et il y a, enfin, pas très longtemps, j'avais rencontré une vieille dame qui m'a raconté ce que je dis là, parce que je ne voulais pas le perdre, puisque ça touchait à l'histoire de ma petite enfance. Donc je dis elle, et c'est cette dame que j'avais rencontrée. Elle se souvenait. Plusieurs décennies s'étaient écoulées depuis ce jour, mais elle se souvenait. Elle n'était alors qu'une enfant, mais cet instant s'était inscrit dans sa mémoire. L'été de la Saint-Martin épandait sur toute chose sa pâle lumière. Tu étais assise devant la maison face au jardin et tu donnais le sein à ce bébé qui venait de naître, ton quatrième enfant. Couché dans le creux de tes bras, il tétait le lait de ta mélancolie, un lait noir, amer, corrosif, qui pendant de longues années a déchiré son sang, l'a empêché de vivre, a installé en lui la peur d'être rejeté, abandonné, voué à l'implacable misère d'un isolement qui ne prendrait jamais fin. Épuisée, toi la mère, tu n'avais plus la force de porter ton poids de souffrance et très tôt tu t'es retirée. Longtemps, une voix étouffée, pleine de terre, n'a cessé de le harceler. Comment peux-tu t'accorder le droit de vivre alors que tu as causé la mort de ta mère? Si elle a disparu, toi aussi dois disparaître. Il ne t'a pas connue, mais bien qu'absente, tu étais toujours à ses côtés. Dans la confusion, il a lutté,
régurgité le lait noir, s'est construit contre ce qui vous a arraché l'un à l'autre, et au long des si longues années, il s'est confié à la vie, s'est laissé pétrir par ses mains noires et ses mains blanches, a fini par adhérer de tout son être à ce vouloir vivre tenace qui, à son insu, l'a retenu de sombrer. Ça n'est pas très réjouissant ce que je raconte, mais c'est un peu tout ce qui s'est passé pour moi. Et je suis obligé de le dire puisque tout ce que j'ai écrit finalement est sorti de tout cela. Ce n'est pas réjouissant, mais c'est très beau. Et le fait que vous soyez là en nous disant « je suis apaisé », ça dit en même temps tout ce chemin. Et je trouve que ça donne une espérance fantastique dans justement cette volonté tenace de vivre. Et ce que vous dites aussi de l'écriture et ce que vous a permis l'écriture, c'est extraordinaire. Est-ce que d'écrire ces poèmes et d'écrire Lambeau a été déterminant dans le chemin vers cet apaisement? Absolument, absolument, parce que écrire, en fait, c'est se livrer et en même temps se délivrer. Tant qu'on n'a pas véritablement pris conscience des problèmes qu'on peut avoir, d'une certaine difficulté de vivre, eh bien, il est impossible de dépasser cette difficulté. Donc c'est dans la mesure où l'on prend conscience de ces problèmes qu'on peut s'en libérer. Il n'y a pas d'autre chemin. Quand on vous écoute lire vos textes, on est frappé, je crois que vous êtes frappé aussi, par l'extrême simplicité. Mais je crois que cette simplicité, c'est quelque chose de complètement gagné par le travail. Sur ce travail, vous parlez, je le disais au début, d'un long effort pour arracher quelque chose à l'ombre et à la nuit. Et en même temps, vous parlez de quelque chose qui monte comme de soi-même. Je le disais aussi, qui est donné. Je voudrais que vous parliez un peu de cette ambivalence dans la naissance de l'écriture. Oui, c'est toujours un peu mystérieux quand même. Pourquoi a-t-on ce besoin d'écrire et pourquoi, de temps à autre, eh bien, on sent en soi se créer une espèce de poussée comme ça, une poussée très obscure. C'est à la fois un certain désir de dire quelque chose et en même temps des mots qu'on n'arrive pas bien à saisir. Et je dois dire aussi que j'écris beaucoup en marchant et donc le rythme de la marche favorise comme ça le rythme de la pensée. Et donc à force de tâtonnement, d'écoute, l'essentiel de mon travail a consisté à être à l'écoute de cette voix intérieure qui parle en nous. Donc voilà, cette voix parfois, elle me souffle un poème. Donc à la fois, c'est quelque chose qui vient de cette source obscure et en même temps, après, bien sûr, il y a le désir de capter tout cela, de l'organiser. Mais la simplicité est pour moi quelque chose d'essentiel. La concision aussi, je l'ai toujours recherchée. Je crois que, en fait, pour dire des choses essentielles, les choses essentielles de la vie, on n'a pas besoin de beaucoup de vocabulaire. Et donc, voilà, je recherche toujours cette grande simplicité. D'ailleurs, elle est aussi au terme de ce parcours intérieur que j'ai fait, puisqu'il consistait justement aussi à me décompliquer et à me simplifier, à me mettre en ordre. Parce qu'il est très douloureux de vivre la confusion. Et donc, j'ai toujours bataillé pour arriver à m'en libérer. Mais on m'a dit aussi qu'avec ce journal, j'avais réalisé une auto-analyse. Il se peut, je crois maintenant, qu'effectivement, c'était bien ce qui s'est passé, mais je n'ai jamais eu cette intention-là. Et on m'a dit aussi, bien souvent, qu'on ne peut pas se connaître soi-même. Eh bien, je pense que si. Sauf que, bien sûr,
Il faut s'engager dans cette quête de soi avec un désir très profond, je dirais même avec c'est une sorte de nécessité vitale, et donc on ne peut pas s'y soustraire. Et tout le travail consiste à ce que, d'une certaine manière, la pensée s'inverse pour pénétrer en elle-même, remonter jusqu'à sa source, et là, essayer de s'affranchir de ce qui la conditionne. Hein. C'est un travail essentiel, évidemment extrêmement exigeant, qui exige beaucoup d'une grande sagacité, une grande souplesse intérieure, mais en même temps, je crois qu'on doit parvenir, si l'on s'engage avec beaucoup d'énergie dans cette aventure-là, on doit pouvoir vivre ce moment où l'on peut se clarifier, c'est-à-dire se dégager de toutes les entraves qu'on peut porter en nous. Il y a un grand poète anglais, Wordsworth, qui disait que, là je reviens un peu en arrière, que l'enfant est le père de l'homme. Eh bien, il dit par là que combien l'enfance détermine nos vies complètement. Parce que au cours des premières années, bien sûr qu'on reçoit de notre entourage ses valeurs, ses idées, ses préjugés, enfin bon, on est extrêmement réceptif et tout ce qui se passe dans nos premières années, eh bien, va nous déterminer pour toute la vie. Sauf si justement on arrive à prendre conscience de ces conditionnements, de ces déterminismes. Et moi j'ai eu d'autant plus à lutter que au cours de ces 11 années où j'ai porté un uniforme militaire, de 12 à 23 ans, eh bien j'ai calculé une fois que j'avais assisté à plus de 4000 cérémonies aux couleurs, et que je m'étais rendu à plus de 7000 rassemblements. Donc c'est dire combien de telles années peuvent laisser après des traces profondes dans la manière d'être, dans la sensibilité. Donc j'ai eu aussi à me détacher de tout cela, et si je dis détacher, c'est parce qu'il y avait des attachements très forts aussi à travers des copains, des professeurs, etc. Donc là aussi, ça a été un travail nécessaire et qui a été très long, puisque j'ai lu dernièrement que lorsqu'une influence s'exerce pendant un certain temps, il faut presque autant de temps pour arriver à s'en libérer. Vous avez évoqué, je voudrais y revenir, la manière dont naît... Alors, je dis le poème, mais encore une fois, c'est le texte en marchant. Mais... comme vous avez donné à la Bibliothèque nationale de France vos brouillons, certains ont été publiés, et c'est incroyable, c'est complètement raturé, avec plusieurs versions successives. Donc il y a un travail du texte dont j'aimerais que vous nous parliez, et aussi, je crois que c'est lié, de ce qui m'a beaucoup frappé en lisant vos recueils, ce sont des vers très bref, sans majuscules, sans ponctuation, j'allais dire tout nu. Il y a un rapport entre le mot et le blanc de la page sur lequel j'aimerais vraiment beaucoup que vous nous parliez. Eh bien, oui, je réponds aux différentes questions. J'ai beaucoup de difficultés à écrire, je suis quelqu'un de très laborieux. Les choses viennent lentement, difficilement. Et donc, lorsque j'arrive à écrire une page, parfois, enfin, en général, j'écris une page chaque après-midi, eh bien, cette page, elle est tellement raturée qu'il me faut la reproduire, la réécrire, parce qu'elle est illisible. Mais cette seconde copie, je la retravaille et à nouveau, elle est illisible. Donc, je la recopie 3 ou 4 fois. Donc pour moi, le rythme est quelque chose d'essentiel. La musicalité aussi est pour moi très importante. Je cherche à faire de la musique avec les mots. C'est comme ça.
Et donc, je travaille beaucoup sur les sonorités, sur le poids des mots, et puis bien sûr, sur toutes les interférences, hein, les radiations qui passent d'un texte, d'un... Il faut chercher le mot juste, l'expression juste, la structure de phrase qui convient exactement à ce qu'on veut dire. Et donc, c'est pour moi tout un long travail qui avant s'effectuait toujours dans un gros effort, enfin dans une grande difficulté. Maintenant, bien sûr que, fort heureusement, j'ai fini par acquérir quand même un savoir écrire, parce que dans l'écriture, il y a toute une part artisanale, hein, bien sûr. Donc maintenant, voilà, les choses se passent moins difficilement, bien que, comme je le disais, il faut que je recopie une page 3 ou 4 fois. Vous nous lisez un poème. Alors, je vois bien que c'est une page de prose qui est là, mais j'aurais envie que maintenant, vous venez de parler de la musique des mots. Il y a bien un poème en dessous, là, s'il vous plaît. Je vais vous en dire un poème. Ah, voilà, vous allez le dire. Oui, forcément, un écrivain, il se nourrit de tout ce qu'il peut voir, de tout ce qu'il peut entendre. Et une fois... J'ai assisté à une scène très rapide, mais qui était vraiment bouleversante. Donc, tout cela est resté en moi, et puis après, c'est devenu un poème, donc je vous le dis. Un matin d'hiver, je me trouvais dans un train à l'arrêt, en gare de Bellegarde, et une petite fille d'une dizaine d'années était sur le quai. Deux femmes se tenaient près d'elle, et quand celle qui pouvait être sa mère l'a quittée pour monter dans une voiture, cette petite fille n'a eu aucune réaction. Épaules tombantes, bras ballants, elle est restée là, immobile, figée, ne disant rien, ne manifestant rien, sauf que de grosses larmes glissaient sur ses joues et qu'on la sentait perdue, dans un abîme de solitude, accablée par une détresse qui la rendait inconsolable. 2 ou 3 ans ont passé depuis ce jour, mais de temps à autre, il arrive encore que réapparaisse en moi ce petit visage en larmes pétrifié par la souffrance. Voilà, c'était une scène à laquelle j'ai assisté et dont j'ai voulu garder la trace. Merci Charles. Quand on lit le texte, le fait qu'il soit disposé sous forme de vers très assez court donne un rythme étonnant, un rythme visuel. Et je crois que vous travaillez beaucoup avec l'éditeur la disposition des vers, dont je disais dans le blanc de la page, mais aussi les intervalles. Et vous parliez du rythme intrinsèque de vos textes, mais je dirais aussi que la manière dont ils sont disposés sur la page leur donne aussi un rythme. Là, on a l'impression d'entendre un texte en prose, et évidemment, ce sont des vers libres, mais la disposition, je trouve qu'elle instaure un rythme et qu'elle va dans le sens, vous avez parlé de suractiver le mot, le charger d'énergie, et je crois que la manière dont il est mis sur la page contribue à charger d'énergie le mot. Alors, j'ai encore plein de questions à vous poser. Pardon. Pour dire que l'éditeur n'intervient pas, là. C'est moi qui écris comme les choses me viennent. Oui, mais dans la disposition, je parlais des blancs et tout. Bien sûr, oui, c'est important parce que c'est le rythme qui dicte la forme du poème. Mais finalement, je n'invente rien, je ne fais que qu'écouter ce rythme. Et les vers se disposent comme cela, les uns après les autres. Enfin... Oui, mais quand il dit les uns après les autres, je vous assure que c'est extrêmement subtil. C'est vrai qu'ils sont les uns après les autres, ça c'est sûr. Mais il y a même à l'intérieur des vers, des blancs quelquefois entre les mots, mais qui sont des abîmes, au sens propre du mot. Et je trouve ça incroyablement fort, avec une économie de moyens vraiment très très grande. Alors je disais que j'ai encore plein de questions à vous poser, on doit parler des peintres, on doit parler d'Albert Camus, je ne vous dis pas. Mais avant, je voudrais, à partir de quelques vers, 1984,
vous dites ceci, ne marche nulle part ailleurs que sur terre et ne te refuse jamais au quotidien. Tu sais maintenant que dedans et dehors n'avaient pas à s'exclure. C'est quoi le rapport au réel, à ce quotidien, à ce dehors ? Bien évidemment, il y a l'univers intérieur et extérieur se compénètre en permanence. Et parfois, pendant toutes ces années, c'était l'univers intérieur qui prenait le pas sur l'univers extérieur, je dirais, parce que j'étais très absorbé par ce qui se passait en moi. Et j'avais du mal aussi, donc, à m'accorder à ce monde extérieur. Enfin, tout ça restait intérieur, je veux dire, cette difficulté, ça ne s'est jamais traduit dans ma vie extérieure, mais j'avais de la difficulté, justement, à mieux participer au monde extérieur. Et c'est progressivement aussi que je crois qu'un équilibre est parvenu à s'établir. Mais c'est vrai que pendant très longtemps, j'étais totalement absorbé par ce qui se déroulait en moi. Et pourtant, les éléments sont là. En lisant la quatrième de couverture de Moisson, ma lumière a de solides racines, je me suis dit, c'est donc un homme de la terre et du feu. Oui, mais l'eau est là aussi. Alors, dans les quatre éléments, vous êtes, quels sont les éléments essentiels de votre imaginaire ? Mais il est évident que c'est la terre en premier, la terre en premier. Mais je suis aussi conscient qu'on vit selon quatre grandes dimensions. Il y a la dimension, bien sûr, physique, corporelle. Il y a aussi la dimension, on peut dire, de l'affectif, de la sensibilité. Il y a aussi la dimension de la pensée, la dimension rationnelle. Et puis il y a aussi, au sens très large du mot, une dimension spirituelle, qui n'est rien d'autre que le souci qu'on doit avoir de notre vie intérieure. Mais souvent, la vie intérieure, on la méconnaît puisqu'elle est invisible. Et le visible est si fort que, bien sûr, il s'impose à nous aux dépens de l'invisible. Et c'est vrai que moi, j'ai vécu un peu dans l'invisible, un peu trop parfois. Alors, peut-on être trop dans l'invisible ? On ne peut rien maîtriser d'ailleurs, je crois. On ne peut rien décider. Dès le départ, on est un peu déterminé, oui, psychiquement. Et en fait, tout notre travail, c'est simplement arriver à obéir à ce qui nous est imposé, je crois. Je sais pas. Obéir, vous êtes aussi allé devant. Vous êtes allé, à la rencontre d'eux. Oui. Vous avez laissé les choses venir, mais vous êtes allé à la rencontre d'eux. Oui. J'ai lu quelque part quelque chose de très beau sur ce qui vient à notre rencontre. Je suis sûre que vous avez un texte à nous lire, là, maintenant. Le temps est encore là. Moi, je le vois. Lisez-nous quelque chose. Non ? Oui, si vous voulez. Bon. Mais vous avez le choix. Ça, c'est un texte un peu spécial. Non, je vous lis la petite introduction qui le précède. Tard dans la soirée, je lisais l'album Montaigne qui vient de paraître en Pléiade. Lorsque je me suis rendu compte que ma pensée s'était échappée, ne pouvant poursuivre ma lecture, j'ai fermé le livre, suis resté un moment à ne rien faire, et alors que je ne pensais nullement à mon enfance, les mots du texte qui suit ont littéralement coulé hors de moi pour venir se déposer sur la page. Un texte qui n'a nécessité aucune retouche. Il est vrai qu'il réexprime ce que j'ai déjà écrit ailleurs. Néanmoins, ce qui m'a étonné, ce sont ces mots qui surgissaient
sans avoir été précédé par cette mobilisation intérieure qui prélude habituellement à la venue de l'Écriture. Voici donc ce texte. Tu as disparu dès les premiers jours de mon existence, mais jamais je n'ai cru que tu m'avais abandonné. J'ai toujours pensé à toi avec tendresse, tout en sachant que tu étais l'absente, une absente qui imposait fréquemment sa présence, si bien que très souvent tu as été là, participant à tout ce que je vivais. Je te parlais et tu me répondais. Je te disais ma difficulté et tu me répondais. Mais quand je t'interrogeais, seul répondait le silence. Où étais-tu? Pourquoi étais-tu parti? Pourquoi m'avais-tu laissé? Je voulais retirer de ta vie ce qui t'avait détruite. Je voulais t'arracher à la mort et te voir heureuse. J'inventais l'amour que tu m'aurais donné, cette tendresse que j'appelais et qui aurait cautérisé la blessure. Mais parfois tu t'éloignais, le mirage prenait fin et je m'effondrais. Tu n'étais plus qu'une présence creuse, un regard clos qui ne savait plus me faire vivre, ce visage qui lentement s'effaçait et se refusait à revenir. Ainsi, au long des longues années, ce fut cette continuelle alternance de rupture et de retrouvailles, de désolation et d'allégresse, d'extrême solitude et de retour à toi, à ta bienfaisante lumière. Jamais je ne me suis lassé d'attendre et toujours ce fol espoir m'a porté. Te voir apparaître, te voir ouvrir les bras, me serrer contre toi. Voilà, encore un texte qui se rapporte. Mais c'est vrai, parfois, des textes viennent comme cela, sans qu'on sache pourquoi ni comment. Enfin, après, bien sûr, mais je veux dire, dans l'instant, on est pris par ces mots qui insistent, et après, bien, il faut évidemment les mettre sur le papier, ou les garder en mémoire. Oui, mais... Pour notre grand bonheur, vous les avez mis sur le papier. Et du coup, vous nous les tendez, vous nous les donnez. Et je retrouve là le mouvement de tous ces poètes lyriques dans la grande tradition de ce lyrisme qui ne consiste pas à... Vous savez, le pélican chez Musset, là, je me donne... Mais à aller au plus profond de soi, dans l'intime, dans le plus particulier... et à rejoindre l'universel. Parce que quand vous lisiez ce texte-là, où vous parliez très précisément « je, tu » de deux personnes précises, je sais que chacun d'entre nous pouvait y mettre son expérience de telle ou telle absence. Et je ne sais pas si vous acceptez cet adjectif de lyrique, mais pour moi, on est là au cœur du lyrisme le plus profond. C'est-à-dire, encore une fois, quand le particulier rejoint l'universel grâce aux mots. Est-ce que vous acceptez que je dise ça? Oui, bien sûr. Non, mais le lyrisme, quelquefois, on n'aime pas ce mot. Oui, si, mais je crois qu'on parle, parce qu'on a souvent parlé ensemble de Camus, et à son propos, on parle d'un lyrisme objectif. Hein, et ces deux termes m'ont beaucoup touché, m'ont fait découvrir aussi que c'est ce que je cherchais moi aussi. Bien sûr... il faut être capable de pouvoir faire passer une émotion, mais il ne faut pas que tout cela soit trafiqué, soit recherché. S'il y a émotion, il faut qu'elle arrive comme cela, spontanément, naturellement, et pas qu'elle soit enrobée par trop de mots. À plusieurs reprises, on m'a dit que mes poèmes n'étaient pas des poèmes. Alors peut-être... Mais il est vrai que lorsque j'ai commencé à les écrire, eh bien, je ne savais rien, je n'avais aucune notion de ce que devait être ou ne pas être un poème, mais j'écrivais d'instinct, et c'est vrai qu'il en a été longtemps ainsi. Mais il me semble que d'emblée, il y a eu en moi une exigence
qui m'enjoignait d'être vrai, de me défier des mots, et puis d'avoir une parole nue. Je crois que j'ai toujours recherché une parole dépouillée. C'est conforme à ce que je suis, je ne peux pas l'expliquer autrement. Voilà. Mais c'est vrai que quand vous parlez d'émotion, j'aime toujours me rappeler qu'il y a l'idée de mouvement dans émotion. Il y a un mouvement qui vient de vous, qui passe dans les mots, qui met les mots en mouvement, et ces mots nous mettent, nous, en mouvement. Et je trouve que c'est beau que ce mot émotion soit ce qu'il est. Alors, je pensais vous mener vers les peintres, mais vous avez prononcé le nom de Camus, qui est quand même ce par quoi nous nous sommes rencontrés. Alors, nous n'avons pas du tout le même rapport à Camus, mais j'aimerais que vous nous disiez un peu ce que représente Camus. Après, je vous promets, Charles Jeulier nous parlera des peintres, parce que c'est capital. Mais Camus, oui, s'il vous plaît. C'est vrai que Camus a été pour moi une rencontre importante, parce que, il faut que je raconte un peu cette histoire. Je l'ai découvert, j'étais jeune bien sûr, j'étais chez un ami des enfants de troupe à Nice, il faisait très chaud, et la sœur de cet ami m'a tendu un livre, c'était L'étranger d'un certain Camus, dont je ne connaissais pas le nom. Et donc, plus pour lui faire plaisir que par autre chose, j'ai voulu lire ce livre. Et puis d'emblée, j'ai lu, enfin donc, aujourd'hui ma mère est morte, ou peut-être hier. Ce que je lisais me bouleversait, parce qu'en même temps, ça me renvoyait un peu à mon histoire, puisque quand j'avais 7 ans, j'ai donc assisté aux obsèques de ma mère. C'était un jour d'été, c'était le même jour que cette journée que je vivais par cette grosse chaleur. Et donc, j'ai lu ce livre dans un état très curieux. À la fois, je lisais l'histoire, mais en même temps, elle se confondait un peu avec ma petite histoire. Donc, il y a eu là un choc très fort, parce qu'en fait, je n'avais jamais tellement lu. Enfin, bien sûr que non. Si j'ai lu 3 ou 4 livres avant 23 ans, c'est tout ce que j'ai lu, puis c'était des livres qui m'arrivaient comme ça, qui n'étaient pas choisis. Donc, la lecture de L'étranger a été pour moi quelque chose de très particulier. Alors après, j'ai lu Noce, et bien sûr que Noce, c'est la ferveur de vivre. Quand on est adolescent, qu'on lit un tel livre, on est complètement transporté, soulevé de terre. Et donc, je me suis intéressé à Camus. Et à cette époque, il venait de paraître, je crois, L'homme révolté, que j'ai lu, sans rien y comprendre, parce qu'on parlait beaucoup de philosophes, de penseurs dont je ne connaissais même pas le nom, et bien sûr que voilà, j'étais un peu submergé. Mais ça n'empêche pas que ce livre m'a aussi beaucoup marqué. Je me souviens encore de plein de choses, des mots que j'ai lus, toutes sortes de toutes les découvertes que je faisais. Donc j'ai eu un lien très fort avec ces premiers livres de Camus, et puis après j'ai un peu découvert qui il avait été, et quelle avait été son enfance. Et bien sûr que, sans m'en rendre compte, je me suis peut-être un peu identifié à lui. Hein. Enfin, non pas que je voyais en lui l'écrivain célèbre, simplement je voyais eh bien, un homme qui avait eu une enfance très, très difficile. En général, on ne le sait pas parce qu'on a cette image de Camus mondialement célèbre. Mais en fait, il a eu une enfance très difficile auprès d'une mère, on peut dire handicapée, hein, qui était analphabète, je crois, qui était sourde et qui ne lui a jamais exprimé son affection. Et par ailleurs, il y avait là une tante qui était très sévère, très, très, très dure, et qui lui tapait sur la tête avec une cravache, je crois, non ? Un nerf de bœuf. Voilà, un nerf de bœuf, hein, voilà. Et puis il y avait, c'était l'extrême pauvreté, il n'y avait ni eau, ni électricité dans ce très petit appartement où il vivait à 5, hein, oui, c'est ça. Voilà, toutes ces choses m'ont parlé, et j'ai un rapport très fort avec cette œuvre. Et puis il y a aussi
l'œuvre du journaliste, où on peut trouver des textes extrêmement forts qu'il a pu écrire sur la libération de Paris, sur l'Espagne, enfin sur toutes sortes de grands sujets. Et comme Camus s'est toujours battu pour défendre des valeurs absolument universelles, hein, sur la liberté, la dignité des hommes, etc., eh bien, c'est vraiment une œuvre dont je me sens très très proche. Et l'écriture aussi, qui est très belle, parce qu'on ne sait pas, mais Camus est en fait un poète. Et dans plusieurs livres, il y a des passages d'une extrême beauté, d'un vrai poète. Dans Le Premier Homme, et puis même dans les textes du journaliste. À la fin de ses carnets, écrit vraiment, je crois, en novembre 59, donc quelques semaines avant son accident, il y a une sorte de poème en prose qui s'intitule « Pour Némésis ». C'est magnifique. Et comme les carnets viennent d'être publiés en folio, je vous invite à aller le lire. C'est un poème en prose, et c'est vrai que ce que vous dites des virtualités poétiques de sa prose est réel, mais peut-être qu'il aurait écrit de la poésie dans la suite, je ne sais pas. Alors les peintres, parce que quand même, c'est un pan très important de votre existence. Alors, il y a eu des rencontres, des amitiés avec des peintres très importants. Il y a eu la manière dont vous regardez la peinture, la manière dont vous en parlez. Il y a ces livres que vous avez faits avec des peintres. Je voudrais que vous nous parliez de tout cela, s'il vous plaît. Eh bien, c'est vrai que j'ai eu l'occasion de connaître quelques peintres. Et puis, la première rencontre que j'ai faite avec un peintre, c'était... le peintre Bram van Velde, qui était plus âgé que moi, bien sûr. Bien plus tard, j'ai compris que j'étais allé le voir parce que j'avais à me faire confirmer ce que je pensais, parce que je n'osais pas penser ce que je pensais. Et j'avais besoin d'aller voir des personnes, enfin, je l'ai compris bien plus tard, rencontrer des personnes beaucoup plus âgées que moi, mais qui avaient un peu marché sur la même voie, sur le même chemin. Donc j'étais allé le voir comme ça. J'étais très ignorant, je ne savais même pas qui il était, je n'avais jamais vu une toile de lui, et je ne connaissais rien de rien. Et puis je m'étais un jour trouvé donc face à lui, et je n'arrivais pas à lui parler, donc j'attendais simplement d'avoir le courage de lui dire eh bien merci de m'avoir reçu, et puis de vite partir. Et puis en même temps, il m'a dit oh, ben, on va aller marcher dans la rue. Enfin bon. Donc voilà, je l'ai rencontré là, et j'ai eu beaucoup de chance parce que à l'époque, il vivait à Genève, et il était juste de passage à Paris pendant 2 jours. Et si je ne l'avais pas rencontré ce jour-là, je suis à peu près convaincu que jamais je ne serais retourné le voir, parce que je n'avais pas son adresse. Enfin bon. Donc je l'ai rencontré, et je l'ai rencontré une fois par an, 2 fois par an. Puis après, on est devenus amis, et c'est vrai que ça a été pour moi une rencontre très importante. C'était un homme extrêmement très intériorisé, qui parlait très peu. C'est un homme qui avait beaucoup souffert parce que, il n'avait jamais eu l'intention même de travailler en dehors de la peinture. Or, sa peinture, bien sûr, elle n'avait rien de séduisant, elle ne se vendait pas du tout, donc il a vécu dans une profonde misère pendant très longtemps. Il a eu la chance, il avait un frère aussi, Ger van Velde, qui est un très bon peintre, mais ils étaient assez différents, ils avaient des conceptions assez différentes, et après un certain nombre d'années, je crois que leurs chemins ont un peu divergé, mais ils avaient un ami commun qui était Beckett, ce qui a compté, je crois, pour les deux. Et donc, j'allais le voir, Bram van Velde. On n'a jamais, je dirais, eu une conversation ensemble. Mais je lui posais des questions et il me répondait
toujours d'une manière très laconique, mais ce qu'il me disait était percutant. Et tout ça s'enregistrait dans ma tête. Et une fois que j'étais rentré à la maison, eh bien, je le notais dans mon journal uniquement pour ne pas le perdre, parce que c'était pour moi une nourriture. Et puis, des années ont passé. Après, j'ai eu la possibilité de rassembler ces notes. Et c'est comme ça que ce livre est né, « Rencontre avec Bram van Velde ». Donc, il a été très marqué par sa solitude, parce que personne ne peut comprendre un homme tel que lui, qui était justement engagé totalement dans son aventure de peintre et aussi, bien sûr, une aventure spirituelle, même si on n'employait pas ce mot-là, et même si lui, je crois, ne l'aurait pas tellement accepté, mais en même temps, c'était cela, ça ne pouvait pas être autre chose. Donc, pour moi, ça a été très important. Et puis, j'ai aussi une grande passion pour Cézanne, que bien sûr, je n'ai pas connue. Mais dernièrement, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit que dans sa famille, il y avait une personne âgée qu'il avait très bien connue. Et en même temps, on parlait de lui presque comme d'un pauvre gars, quoi, parce qu'il allait peindre un peu en dehors d'Aix-en-Provence, puisqu'il était d'Aix. Et puis au lieu de rentrer chez lui le soir, eh bien, il dormait parmi, je crois, ce qu'on appelait des cuviers, c'est-à-dire des grandes cuves où l'on faisait bouillir les draps de l'année, ou je ne sais pas. Donc il y avait là un peu de chaleur, donc il dormait là. Donc il ne devait pas être tellement reluisant. Et donc les personnes qu'il connaissait, vous voyez cet homme, on ne savait pas trop, c'était un barbouilleur, quoi, c'était... On ne savait pas qui il était, et ils en parlaient vraiment comme quelqu'un de négligeable. Quoi. C'était assez amusant. Quoi. Enfin bon, je reviens à Cézanne, et enfin, oui, j'ai une grande amitié, grande passion pour cette œuvre, parce que lui aussi, je crois, il n'a pas cessé de creuser son sillon, hein, dans une totale incompréhension, sauf un peu à la fin de sa vie, et encore. Souvent dans l'hostilité aussi, et en fait, il était méprisé par son père, qui le prenait aussi pour un homme qui perdait son temps à mettre de la couleur sur une toile. Enfin bon, et ça n'est que lorsque son père est mort, je crois qu'il avait 47 ans, Cézanne, c'est là qu'il a vraiment... pu devenir pleinement lui-même, et c'est là que, véritablement, je crois que son œuvre a commencé. D'ailleurs, pendant la seule année qui a suivi la mort de son père, il a peint des dizaines de toiles, c'était une véritable explosion. Et ce qui est important pour moi, c'est qu'il a réalisé le meilleur de son œuvre dans le dernier tiers de son existence, et les œuvres les plus importantes dans les toutes dernières années. Où là, les choses se décantent, il a peint des aquarelles d'une extrême subtilité, extrêmement elliptique, et enfin, c'est le grand art, quoi. C'est ce que les Chinois de la Chine ancienne appelaient l'art sans art, hein, comme si la chose était venue comme ça, sans qu'il l'ait voulu, sans qu'il l'ait médité, quoi. Vous parlez souvent... dans les textes sur les peintres, et je pense en particulier au très beau livre que vous avez consacré à Fabienne Verdier, de cet art sans art, ou de cette nécessité de se déprendre, de ne pas chercher la maîtrise. Qu'est-ce que vous avez été chercher, ces peintres-là ? Ben, j'aime me retrouver dans une grande proximité par rapport à eux. Parce que Fabienne Verdier donc a passé 10 ans en Chine pour s'initier à la calligraphie. Et la grande affaire en calligraphie, c'est précisément d'arriver à être sans vouloir pour se laisser traverser par une impulsion, pour avoir un geste comme ça qui n'est pas voulu, pas maîtrisé. Enfin, si, peut-être légèrement maîtrisé, mais enfin bon... Il faut qu'on ait le sentiment de quelque chose qui jaillit comme ça, qui n'a pas été préconçu.
Et on dit en Chine et au Japon que pour former un calligraphe, il faut une trentaine d'années. Donc, ça donne à penser de la difficulté qu'il y a justement à être capable devant une toile de n'avoir ni la crainte de rater son coup, ni le désir de faire telle et telle chose. Arriver à être sans désir, sans volonté, c'est suprêmement difficile. Et les mystiques nous l'apprennent, ça aussi. Parce que j'ai écrit un petit livre sur une mystique flamande du XIIIe siècle qui a écrit de très beaux poèmes, de très belles lettres. Et finalement, elle ne parle que de cela, quoi, de cette sorte de mise en attente, mais où il ne doit y avoir aucun désir de vivre le suprême, de vivre cette extrême intensité de l'extase, arriver, alors qu'elle est dévorée par ce désir-là, arriver à le dépasser pour que ce qu'elle appelle la fruition, cette grande jouissance, cette grande félicité puisse survenir. Et alors, est-ce que par moment, l'expérience poétique se rapproche de ce genre d'expérience ? Essentiellement, oui, je pense, oui, qu'il y a forcément une grande proximité entre la démarche d'un artiste qui avait vécu comme cela, avec une grande intensité, et ce que peut être aussi la démarche d'un mystique. Moi, je parle de tout cela en dehors de toute référence religieuse. Je parle uniquement du processus intérieur, là, vous voyez. Et je pense que c'est extrêmement proche. C'est la raison aussi pour laquelle j'ai beaucoup lu les œuvres de ces mystiques de toute tradition. Parce que, en fait, oui, on voit bien que, ben forcément, l'être humain est toujours le même. La substance de l'être humain ne varie pas et seules peut-être les manières de désigner ces aventures diffèrent, mais fondamentalement, elles sont toujours les mêmes, toujours les mêmes. Vous nous lisez encore un texte, s'il vous plaît. Je n'ai plus grand-chose. Il reste 3 feuilles. Alors, 4. Bon, je lis le poème comme ça. Ça, c'est un petit texte de mon... Oui, peut-être qui est dans le journal. Un jour, j'étais à la FNAC, pas pour acheter des livres, mais pour acheter un CD. Après avoir attendu dans la file, parmi d'autres clients, je me trouve devant la caissière, une femme d'une trentaine d'années. Son siège est surélevé, de sorte que nos visages sont au même niveau, proches l'un de l'autre. Ce qui s'est alors passé était absolument imprévisible. Sans que j'en aie eu l'intention, mon regard, un regard grave, respectueux, empreint de douceur, nullement intrusif, mon regard pénètre son regard, elle éveille à elle-même. Elle est surprise, je suis étonné. Soudain, elle n'est plus une caissière aux gestes mécaniques et répétitifs, mais une femme vue comme telle, une personne reconnue en tant qu'être humain. Je ne souris pas, elle ne sourit pas. Pendant 2 lentes secondes, nos regards restent accrochés l'un à l'autre. Nous n'échangeons aucun mot. Sommes tous deux dans un grand trouble, une profonde émotion. Puis nos regards se disjoignent et elle se ressaisit. Je présente mon CD, le règle. Nos regards se rencontrent encore longuement et je m'éloigne à regret. Je propose que nous arrêtions sur ce texte très, très, très beau. Merci, Charles. Merci.